Bonjour à toutes, je m'appelle Michel, je suis partenaire officiel certifié de la marque Elisa Cavaletti et ambassadrice en France. Je vais vous proposer la collection été 2023. Donc nous allons commencer par les rouges fuchsia, qui est cette panderie, avec les modèles. Nous avons une veste en maille. Maille fantaisie, comme d'habitude. Voilà, vous voyez la texture. Ici, nous avons une très jolie manche trois quarts et nous avons une jolie épingle dorée garnie d'un petit cœur, voilà, qui sert à l'attacher sur le côté. Je vais essayer de le faire. Voilà. En fait, c'est un super modèle de maille d'art comme fait la marque. Et l'épingle se met de ce côté et elle se croise au niveau de la poitrine. J'ai moi-même sur moi ma robe au coup de cœur, c'est le cas de le dire, avec un superbe cœur brodé et rapporté et un petit cœur dans le dos, bijou. La robe taille très bien, je fais 1,65 m et je porte la taille S Cavaletti, qui est un 38 France. Voilà. Ensuite, nous avons un petit pull avec une impression argentée, des trous, il est léger, en coton, le dos et le devant. Alors, IAM, c'est l'abréviation de IAM Lover, conformément à la marque, parce que Love is the answer. Ensuite, nous avons le leggings. Alors, ce superbe leggings, très commode, très pratique, petit prix. En stretch existe dans tous ses coloris et vous permettra d'y assortir toutes vos tenues. Donc nous avons du rouge, du blanc cassé, du beige, du taupe, du jaune, du bleu nuit qui s'appelle tiramisu, du noir, le fuchsia et le vert orgoglio. Voilà le dos avec sa poche et son petit bijou. Ensuite, nous avons une superbe robe que j'aurais pu essayer aussi. C'est une très belle robe longue en imprimé créée par la créatrice. Elle a un mélange de rouge, de camaïeu de rouge qui va du fuchsia, du rose. Voilà, avec sa petite broderie tout autour de l'encolure. C'est un point bourdon de finition, des toutes petites manches qui retombe un tout petit peu sur l'épaule. Ah, et puis à noter cette bande de tissu plumetis là, qui est très originale et qui fait quand même une silhouette longiligne. Ensuite, nous avons le pantalon. Alors, c'est un pantalon en crêpe, ouvert sur le bas, garni de boutons sur le côté. Voilà. Il est plutôt taille normale et il est taille haute. Hein? Ça, c'est important. Il fait un peu jupe, finalement. La matière, je vous ai dit, est assez fluide, souple, avec un joli tombant. Et nous avons, pour aller avec, un petit débardeur avec son cœur. Voilà. Débardeur en manche. Sans manche, à bretelles fantaisie. Et qui a sur le côté un lacet que l'on peut attacher si on veut le resserrer, excusez-moi, avec un nœud à la taille. Donc on peut le cintrer suivant sa volonté ou laisser passer, pendre les deux attaches. Alors là, nous avons une superbe jupe, je dirais pas plissée, je dirais plutôt froissée, avec ce tissu plumetis que vous avez vu dans la première sur la robe. La taille est élastiquée. Elle fait environ, le bandeau en gros grain, fait environ 4 cm. Le bas est en coloris contrasté. Vous voyez, c'est agréable. Alors, ne croyez pas que ces jupes grossissent. Que ce soit les jupes plissées ou les jupes fripées de chez Cavaletti, elles ont un très joli tombé. Et il y a le petit haut adorable avec son cœur brodé. Et ses manches plumetis, une petite patte
dans le dos contrasté et un petit bijou en forme de cœur. C'est une splendeur. Ensuite, nous avons un autre pantalon leggings. Ah, ça, c'est un pantalon, pardon. Le premier était un legging, celui-ci est un pantalon. Il a une superbe rose brodée sur la poche arrière. Il est plutôt pantacourt, comme vous pouvez le voir. Il a une taille haute. Il arrive, comme vous le voyez, à peu près à 10 cm au-dessus de la cheville. Et nous avons aussi les coloris. Vous trouverez les cartes de coloris dans les fiches produits sur le site avec les photos. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour vous aider. Nous avons ensuite cette très jolie robe. Fluide, légère. Une très belle phrase floquée. Raconte-moi l'amour. Dimmi dell'amore, c'è scritto di sopra. Voilà. Et voici maintenant son dos. C'est une coupe droite, fluide. Voilà, légère. Un pull. Je vais remettre les choses en ordre parce que je suis maniaque. Après, je vais me gronder moi-même. Donc, ici, vous avez le petit pull fantasy. Toujours la maille d'art fantasy. Ajouré partout. Il a un trou sur les manches qui sont légèrement ballons. Voyez, resserré ici. Et ce magnifique pull garni d'un petit cœur bijou existe dans tous les coloris qui sont là. C'est-à-dire noir, blanc cassé, rose et rouge. Là, il est présenté dans le coloris rouge qui est mis les folies. Alors, cette robe, j'aime particulièrement parce qu'elle est très agréable à porter. Elle n'a pas de manches. Voilà, on est toujours dans les tons hein, de rose, rouge, camailleux. Et le dos, bien sûr, contrasté et plein de cœur. Alors, les pans sont plus larges, vous voyez, mais vu le tissu fluide, il retombe. Donc, il donne une élégance dans le mouvement. Nous avons ensuite ici un petit sweat. Sweat chauve-souris. Sweat chauve-souris, partie plumetis. Voilà le dos, resserré en bas et garni de strass rose fuchsia. Alors voilà mon plus gros coup de cœur de ce morceau de collection. Je vais l'enfiler, c'est le cache-épaule qui est magnifique et qui existe dans plein de coloris. Hein? Blanc, jaune, ça c'est le petit truc à avoir, c'est un fond de tiroir. En toutes circonstances, je vais le mettre sur ma robe, vous allez voir l'élégance qu'il a, excusez-moi. Voilà, en attendant, tu peux filmer le mannequin jaune, je vous ai mis des mannequins habillés. Je fais beaucoup d'efforts pour vous. Alors, voilà, hop, on enfile. Voilà. Alors, cette merveille, avec son gros cœur, hop, je ne sais pas si je l'ai bien mis, peut-être, je ne me suis pas, voilà, il faut qu'il vienne à l'endroit. Il a un gros cœur ici, j'ai dû le mettre à l'envers, mais ce n'est pas grave, vous voyez quand même le rendu. Alors, c'est une maille gaufrée, légèrement irisée, elle est métallique dedans, voilà, c'est bien ? D'accord. C'est ma petite collaboratrice que vous verrez tout à l'heure. Elle vous fera le mannequin. Elle a une plus jolie silhouette que moi. Elle est jeune et très gentille. Voilà. Donc, ce cache-épaule qui existe dans plein de coloris peut se porter droit ou croisé. C'est mon coup de cœur. Je vous le recommande plus, plus, plus. Voilà. On va le poser par là. On verra de le ranger après. Ici, vous avez une grande chemise, liquette, courte devant. Et longue derrière, avec des manches trois quarts, un tissu fluide et une super inscription, tout en strass dans le dos. C'est du pur cavaletti, mélange de matière,
Petit détail raffiné, des manches retombantes et resserrées, des petites pinces. Très sympa. Pour porter avec le petit leggings que je vous ai montré au départ. Voilà, par exemple, vous voyez, très heureux comme tenue. Ensuite, nous avons, mais allez, ça tombe, la grande robe rouge. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut être quand même un peu grande pour la porter. C'est un tissu de coton qui est très agréable à porter. Elle a une poche poitrine de chaque côté. Trois petits boutons bijoux, dont le dernier est un cœur. Les manches sont des demi-manches. Et c'est un coton presque satiné. L'ourlet est apparent en fil bourdon. Voilà, ça fait. L'ourlet est fait à l'envers. C'est assez original, comme toutes les pièces Cavaletti d'ailleurs, qui est une marque unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ces créations sont des très très belles pièces. Ensuite, nous avons un petit haut tunique. Voilà, à pans. Vous voyez, c'est des pans rapportés. Voilà. Sans manches. Très très joli aussi sur un pantalon comme celui-ci. Ou un leggings. Vous pouvez d'ailleurs mettre du blanc cassé avec, ça sera très. Puisqu'il y en a la manche, la petite manche d'un côté là est retombante et de l'autre côté c'est sans manche. Hein. Ça c'est important. Donc sur un petit leggings ou pantalon blanc cassé, du plus bel effet. Nous avons ensuite dans cette collection qui touche à sa fin un sweat. Alors c'est un modèle plus printanier. Hein. Il tient, il est un peu épais. Le dos est magnifique. L'encolure, comme vous avez vu, est en V, les manches sont longues. Voilà. Et la belle, superbe, superbe jupe, plissée. Alors, dans ce plissé que je vous ai dit, qui ne grossit pas du tout. Voyez, tout est dans le mouvement, plissé soleil, mais avec l'eau du pli imprimé. Dans la couleur rose fuchsia, la taille est élastique. Voilà. Donc nous venons de finir les roses fuchsia. Je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.